C'est ma musique. Tu m'as volé, tu m'as copié. Jolie nanar, cher jolie dieu. Tu ne deviendras jamais chanteuse. Contrairement à moi, qui deviendrai chanteur. Oh, salut. Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Lily Rose a toujours voulu devenir une star. Et aujourd'hui elle a essayé, sauf que elle a volé une de mes musiques. Je vais pas me laisser faire, vous allez voir ça. Jolie nanar, cher jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipos et les pipos d'Aya Nakamura. Eh oh Lily Rose, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas la tête? Il m'a rendu bête, bête, bête. Je suis tombée la première, mière, mière. Je vais pas me négliger, eh, eh. Je vais pas me négliger. Eh oh, enlève ton casque. Jolie nanar, cher joli dieu. Enlève ton casque, qu'est-ce que t'écoutes? Tout à l'heure je l'entendais chanter, j'en peux plus. De toute façon tu ne deviendras jamais chanteuse. C'est pas la peine de me parler de je veux faire un clip, je veux faire ceci, cela. Moi je suis définitivement le meilleur chanteur de la famille. Regarde ça. Esteban dédicace à Weshden. Esteban le best. Lily Rose la pas best. Lily Rose Lucas. Mais qu'est-ce que tu fais Esteban? C'est bon, laisse-moi vivre mon rêve de chanteuse. Au moins moi je chante bien, pas comme certains. Alors je vais chanter comme ça quand je serai sur scène plus tard. Jolie nanar, cher jolie Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Bon allez, pas la peine de rager, de toute façon tu n'arriveras jamais à ma cheville. Voilà, hein, tu ne deviendras jamais chanteuse. Contrairement à moi qui deviendrai chanteur. Oh, faut pas se négliger, Allez, bouge de là, je vais écrire ma première musique aujourd'hui. Et tu vas voir, ça va être de la bombe. Contrairement à toi, la Esteban dédiqué ses Weshden. Tu vas voir, plus tard les gens vont m'applaudir tellement je chante bien. Je vais faire des zéniths. Et toi, bah, tu serais dans ton canapé en train de regarder la télé, hein. Apparemment, tu m'aimes pas. C'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa. C'est bon, je chante trop bien, je vais faire une musique. Alors, de quoi je vais parler? Alors, je sais pas. Je sais, je vais faire comme Aya Nakamura et je vais parler. Je sais, je vais faire comme Aya Nakamura et je vais parler de mes super copines. Bon, c'est bon, j'ai pris l'ordinateur d'Esteban. Je vais copier une musique qu'il a fait. Allez, hop. Copine, ah ça c'est bien ça. Copine pour toujours. Ouais, de toute façon tu me feras pas rager. C'est pas avec ta voix de canard boiteux que tu vas faire quoi que ce soit. Écoute mon timbre de voix. La bohème, la et cheveux portables, les gros bras Jean-Claude Van Damme. Toi t'as quoi? T'as rien pour toi. Ah ouais c'est bien ça. Copine pour toujours. Copine, mes amours. Oh c'est trop bien, je suis trop fort pour créer des paroles. Oh là 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 là, oh là là, c'est magnifique. C'est quoi cette musique? Mais c'est un truc que j'ai composé, c'est mon truc ça. C'est ma musique. Je vais attendre qu'elle parte et je vais reprendre tout ça. Je rêve, elle essaie d'utiliser mes musiques pour avoir des vues, pour faire ses clips. Je la déteste. Elle me revaudra ça, je vais me venger. Je vais faire un carton, c'est sûr, il faut trop que je fasse le clip. Bon c'est bon, j'écris la moitié des paroles, après ce sera dans la tête. C'est bon, ah, trop bien. Allez, j'y vais. Esteban, c'est bon, j'ai fait ma musique, tu vas rager. Bon allez, je vais quand même aller la répéter. Allez, c'est parti. Copine pour toujours. Copine, mes amours. Copine, c'est l'amitié. Sans vous, que serais-je désormais? Esteban n'a qu'à bien se tenir. De toute façon, moi, mon clip va être super. Allez. C'est bon, elle est partie. Je vais pouvoir voir ce qu'elle m'a pris. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris? Non, pas cette musique-là. C'est la meilleure. C'est celle que j'avais prévue pour mon prochain album. Attendez. Copine pour toujours. Mais je rêve. J'avais quasiment écrit ses paroles. Elle a copié les paroles sur quelque chose. C'est pas possible. Elle a pris toutes mes paroles, toutes mes musiques. Et c'est elle qui va faire le clip. C'est elle qui va sortir en premier. Je suis désespéré. Je sais même pas quoi faire. Il faut que je me venge. Attends.
Attendez, j'ai une idée. Je vais la laisser faire son clip et quand il sortira, je mettrai plein de commentaires méchants comme ça elle va vouloir arrêter. Je reprends mon ordinateur et on y va. Lily Rose, je vais me venger parce que je suis méchant et c'est pas gentil d'être méchant, mais c'est méchant de pas être gentil. Oui. Mais qui est-ce qui m'appelle? Allô Manon, ça va? Ouais, moi aussi je vais bien. Quoi? Une sortie cet après-midi avec les copines? Oh, trop bien, je vous adore! A tout à l'heure! Bisous! Oh, trop cool! Je vais sortir avec Manon et tous mes copines! Allez, super! Ah, celui-là! Il est trop beau! Oh, j'adore! La belle vie de tricheuse, c'est ça que t'étais en train de me dire, Lily Rose. Tu croyais que j'allais pas m'en rendre compte? Oh, que t'avais utilisé ma musique, une partie de mes paroles? Non, désolée, j'ai rien pris. J'ai pas fait exprès. C'était un son comme ça, ça se trouve c'est le même. Tout ça pour faire ton clip, qui je suis sûr ressemble à une tomate pourrie. Je m'énerve peut-être un peu trop, mais si je le vois sur internet, tu vas avoir une sacrée surprise. Et oui, mon doigt est tordu. Tu m'as plagié, tu m'as volé, tu m'as copié. De toute façon, je vais me venger dans une prochaine vidéo. Parce que oui, c'est la fin de la vidéo. Clique sur une vidéo qui apparaît. Tu ne t'y attendais pas. Abonne-toi, lâche un like, la cloche. Un mot de Lily Rose. Bah, bisous tout le monde et... La suite bientôt. Et voilà. La suite sur Insta.